Ok, donc salut tout le monde, hein. On est présent à Utrecht pour le CDE. Donc là, c'est plus pour les playoffs. On a la decklist de Belka. Donc, moi, je joue Branded et Zuka et Ryan aussi, qui ont dit que c'est un bon call avec la team et que ça battait avec Ash, Renick et Labyrinth. Ouais. C'est souvent demandé qu'est-ce que les gens n'ont pas envie d'apprendre, qu'est-ce qu'on pourrait. Tout le monde a peur de Branded, les personnes n'est vraiment préparé, oui. Et il y a le game point, tu peux bet, tu peux nommer un peu bet FTK. Ouais, c'est ça. Sur un tour de 5 lignes, c'est important de pouvoir gagner une game facilement. Ouais, alors, c'est un deck agressif et même beau secret contre les Runics, c'est quand même. 5 fusions, j'ai fait 5 fusions en étant beau secret. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc pour les monstres, je jouais à 50 et les deux teammates à 47. Donc il y avait 3 Lubert. La tragédie, le Hanib. Et on va mettre les deux coins. Donc pour les normal summons, il y a quand même quoi, mais un Lubert. Il y a la opening qui fait l'aspect. Et tu as besoin, c'est parfois de normal Cartesia. 3 Albaz, 3 Cartesia, 2 Mercurier et 2 Albion. Moi, je jouais 2 Albion et ils ont joué qu'un seul. Ils ne voulaient qu'une seule point, monsieur. Qu'une seule point, ouais. Moi, je voulais absolument. J'ai joué ça au main event, la main decklist. Je voulais absolument qu'il y ait des deux cartes combo comme ça, où on voyait le Albaz et Cartesia et jouer souvent. Et Quem, pareil, c'est combo avec ça parce que ça donne accès direct à Warlet Fedru. Ça, on y arrive bien loin. Et en vrai, il y a Magnamit, mais peut-être tout. Je pense qu'il aurait été intéressant. Donc, non, vraiment pas de force. Mais les matchs, on a affronté le Lightning Runic, mais de base c'est simple, sans le Magnum. Je pensais affronter plus de cash pour perso. Ouais, ça flottait qu'un seul, il y en avait 3 dans le truc, c'était fou. Ouais, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas trop. Ça, c'est un peu dur qu'une cash-off parce que tu le regardes s'il arrive. Et pareil, on jouait pas plus de Mubelion ou autre pour éviter qu'on le casse de. On ne casse pas de Nadia, etc. parce que ça casse, ça perd vraiment ton cash. Shifter. Ouais, Shifter. De Ing, on pas cash, pas de off. Parce qu'on voit. Le meilleur. Ouais, c'est vraiment bien. Belkal hésitait, hein, monsieur. Ouais, parce que jouer à 40 avec. Après tout ça, un tacos. Chaud. Et là, on a décidé. C'est un deck explosif, agressif. Donc, les imps, ils aident bien. Et. Puppet et Dark Magician. The Bricks. Ouais, c'était pensé de Dark Magician. Ah, ça va pour monter les bornes, il est vraiment bien. Quand tu prends Shifter, faut peut-être faire Dragoon et n'être pas près d'Atlante. Même si sous Shifter, tu fais beaucoup de témoins pour faire FR Dragoon. Et si tour 1, t'as une main qui peut te donner accès à ce pet. Merci, non, est-ce que tu m'as. On met le Dragoon et la pupette, et là au moins, t'es safe. Pour les magies, 3 bornes de fusion, 3 punines, une Lost. Une red. On se déploie les frères. Ils ont pensé sur des paiements. On se déploie des terres. 3 super poly. TTT le package. Et il y a la duplication. On join Botchforge. Foolish, comme moi je jouais depuis. Que nous on joue pas. God Sarko. Un Fall Vibe, si on voit c'est une fausseuse. Et un Dark Cooler pour la tuto de PTT. Et deux pièges. Pour ceux qui savent pas ce que ça fait, ça, en gros, tu bannis une carte magie normale, un jeu rapide pour une malaisation de fusion pour copier l'effet. Donc, si tu prends Asher Brown de fusion, tu fais PTT, tu la poses, et tour d'après, tu peux lui faire Puppet Lock avec. Donc, il avait un vraiment turbo Puppet Lock, et puis, tout, jusqu'à ce qu'on a dit, d'un cash, Runic, déjà c'est FTK, et la Brandt, c'est pas Inf, mais au moins tu résumes le bord de fusion. Ah, c'est ça. Et ça peut copier super poly, une raid, polymérisation. C'est faux. Et ouais, c'est vraiment worth. Ça, on passe sur un autre coup. Rien de spécial, hein. Demeure Jade, Dualbion, le Titanic Lab, Lubelion, Redouin, qui est pas. Incroyable. Il est fort incroyable, mais. Mais je le dessèque souvent. Hein. Ah ouais? La mascarade. La mascarade, je sais pas. Ah, c'est d'ailleurs, je me demandais. Ouais, j'arrivais pas à savoir quelle carte décide. J'aimais trop l'extra en fait. Quartis, si le match-up il s'en bat les couilles dans les parties,
Oui, tu vas en avoir besoin tout le temps, c'est fou en Black Horses. Bah si, grand guillot, il va invoquer quoi? Pas rien invoquer au final. Oui. Oui, que quoi. Si elle est passée, c'est tout, il va invoquer. Et pour revenir à lui, ce qui est bien, c'est que avec ta bandette fusion, tu envoies un mercurier, et si tu as un lubélion en main, là tu vas faire beaucoup de plus en faisant un lubélion sans venir petit banni de mercurier, et tu vas pouvoir faire du CA. Donc s'il y a un match-up qui n'est pas intéressant pour faire peuplette comme Labyrinthe, ou Flunder d'ailleurs, il y a une autre. Ouais, Flunder, même si lui il n'est pas flunking pour la bière, il permet quand même de faire OBCA avec le Lubélion, Saromir et Bezrit. Pour la bière. Meilleur les deux écrans. C'est pas chimère ou pas bien. Je joue même. Ouais, c'est trop. J'aurais dû la voter. C'est pas mal. Ouais. Le grand guignol. Ouais. J'en joue qu'un seul, mais possibilité en vrai d'un jeu. Dans un deuxième, hein, c'est pas. Il y a des moments où ouais, tu veux des fois passer par lui, faire envoyer Garou Roi, essayer de piocher une, et se dire, bon bah. T'en as toujours un vivant. Ouais, bien aimé en avoir un deuxième, quoi. Folie Dark Magicien, donc avec le Albion, quand tu fais une folie, tu peux bannir le Dark Magicien et faire un dragon un peu merde. Les deux targets à ce qu'on et Garou Roi qui se réveille par bas, comme Maginia. Chimera, Dragoon, and a Plant, et Grosses. Bah, le 7, il tout ça en feu. On a fait un peu de sauce. On voyait rien, on avait le même, je crois. Non, j'ai joué une terre différente. J'ai pas joué les Dimbaria, j'ai joué Branded Banishment. Ah, j'ai pas joué les Dina. Ah, t'as joué Banishment aussi? Ok, bon, on est le même site. Ah, le Banishment, ouais. Enfin, elle est cool. Elle était pourrie. Et toi, tu joues tes Magnum, et le Kankra. Lequel un peu à gauche, ça. Ouais, il y a plus. Ah, le Kankra. 3 pour Eclara. C'était qu'une cache. Je me disais, si je tombe qu'un cache et qu'il me fait shifter et que c'est compliqué de me remonter. Là, pour Ikara, elle peut vraiment bien m'aider. Et c'est le principe du deck, un peu où tu vas remonter, mettre de la présence avec une pour Ikara ou un Albion. Et quand tu clash Ikara, le Albion plus pour Ikara, tu as quand même des rebonds sur ton terrain. Rebond à Fenway ou même que l'autre Grand Sprout, tu laisses faire le Herald, tu tributes son terrain à la fin et tu rebonds le Herald avec la pour faire de Magna. Et oui, c'était là. Oui, si, bien. C'est pas suffisant. Ouais. Pour battre le dé. Non, c'est pas le dé, ouais. De Cyclone, de Dark Polar, la Thriven New, la Banishment et la Mascarade. Donc, un petit peu ça, là. Est-ce que tu as des shoutouts à partager? Ouais, toute la team, ouais. On a fait pour les playoffs, c'était un gros week-end. Ouais, c'était bien. Deux grosses semaines avant aussi pour le Wicked Playtest. Ouais, parce que moi j'ai joué la saison donc ça rentre et ils ont quand même essayé de rattraper le retard. Ouais, ils ont quand même bien fait le décomment en vrai. Donc ouais, à toute cette team. Bon week-end. Bravo. Et GG. Bravo à toi, toute la team, c'est tout. C'est ça. On a été un peu moins bon tough, mais on a essayé de le faire comme ça. On a fait le maximum de penance. C'est une question de. Je sais pas si c'est une chose ou mal chose, mais. Faut être de teammate en. Une 4 et 5, c'est faux. Ah, ça, c'était. Au playoff, on était tous alignés et. Quoi? On a dû. Ouais. J'ai envie de. Chop ça. Et tu peux sauter. Ouais, c'est ça. Merci à toi, mec. Merci.